Madame la Présidente, chers collègues, regardons bien, regardons mieux, car dans cette affaire Navalny, il n'y a pas qu'un invraisemblable déni de droit et de toutes les libertés à la fois. Cela, c'est l'intolérable évidence, celle que ce Parlement doit dénoncer et sanctionner, mais ce que nous dit d'abord l'affaire Navalny est que ce régime est maintenant affaibli. S'il n'avait pas fait arrêter l'homme revenu le défier, sans doute aurait-il enhardi l'opposition. Il pouvait en tout cas le craindre, mais en le faisant arrêter, il fait d'un opposant aux mains nues un héros national engagé dans un combat singulier contre un président qui s'essouffle. Monsieur Poutine s'embourbe en Syrie, piétine en Ukraine, hésite au Bélarus. Monsieur Poutine perd la main, ses caisses se vident, sa popularité recule. Regardons mieux et nous verrons le désarroi d'un homme vieillissant qui ne sait plus comment faire taire ce vengeur téméraire.